Attraction sur l'équipe Real Madrid là, pas jamais changé quand. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. C'est Pigou Club dans l'histoire jouet là. Et particularité qui peut gagner saison 2024-2025 là, c'est une équipe qui champion d'Europe en titre pendant qu'il prend Kylian Mbappé. Il gagner un peu de regard sous saison 2024-2025 Kylian Mbappé. Mais gagner deux jeunes joueurs en dans l'équipe football ça, il gagner un peu de yeux qui braqué sur. C'est Arda Güler et puis Enguk. Il y a une raison qui explique pour aller en pile de jeu sur. Un, Arda Güler, saison dernière, pas de jouer en pile, mais si ça était mal fait, il était comblé à tête. Et deux, Enrique lui-même qui arrivait en dans l'équipe Real Madrid en grande pompe, brésilien, 18 années, pour aller gagner en pile de rigueur sous saison 2024-2025 Enrique là. En deux vidéos, ça, nous pourrons dire ça nous penser autour de deux jeunes saillots qui c'est Enrique et puis Arda Güler et qui sont au monde capable d'attendre de jouer saillots sous saison 2024-2025 là. Et respect pour eux comme footballeur parce que ils gagnent quand même un pile tala. Tap tap sin, voyez l'argent en Haïti, by famille ou examen, pas compliqué. Téléchargez l'application sur Google Play Store ou bien App Store ou éligible pour vous l'argent par Famille ou Examen en Haïti. Famille ou Examen en Haïti, juste besoin de mon cash et l'enregistre sur téléphone. C'est 4 débits ou même 4 transactions à besoin. Et l'or utilisé pour mon code moyen, KIMHAITI, K-I-M-H-A-I-T-I, ou a gagné $15 sur première transaction. L'automobile lui-même a permis de placer Paris Sportif ou sans problème. Téléchargez l'application l'automobile là sur Google Play Store et voilà, ou a placé Paris Sportif ou. Paris simple, Paris multiple, Paris combo et gagné basketball et tennis sur l'application l'automobile. Real Madrid a lancé saison 2024-2025 là comme champion en titre dans Liga, champion en titre non, Ligue des Champions. Donc, c'est la meilleure équipe qui gagne dans le monde. Maintenant, il y a Kylian Mbappé qui est venu en équipe Real Madrid là, en grande pompe, plus de 80 000 spectateurs qui sont dans le stade pour la présentation de Kylian Mbappé. Il y a un peu d'attente sur Mbappé en équipe Real Madrid là pour plusieurs raisons. Un, c'est Mbappé. Et deux, il faut que monsieur capable et montrer pour qui ça, on est trop pires après folie d'elle depuis pratiquement 6 ans, depuis 2017, et t'es gagné folie pour Kylian Mbappé. Mais nous connaissons Mbappé, c'est quand même un joueur qui est confirmé parmi les meilleurs au monde et a toujours des exigences, mais nous connaissons qui ça Mbappé a fait et nous well à l'œuvre déjà dans le club et dans la sélection. Il y a deux jeunes joueurs en dans l'équipe football ça. Que je pral fixer sur yo pour garder évolution yo pour garder ça yo pral fait dans saison 2024-2025 là. Qui était là déjà qui c'est Arda Güler. Arda Güler c'est jeune footballeur ça qui t'a joué dans Fenerbahçe. Gen Milan c'est Barcelone, Real Madrid qui était derrière. Au final, joueur là fait choix de Real Madrid. Pépé physique fait que il commence à jouer pour Real Madrid en janvier 2024. Et nous connaissons Ancelotti, c'est un entraîneur qui est très conservateur. Et Arda est venu gagner une minute après que Real Madrid ait une certitude que le gagné Liga. Maintenant, avec une minute que Ancelotti était by Arda, Arda est répondu sur terrain. Il fait des goals pour l'équipe Real Madrid là. Et dans fin saison. Et il a confirmé bonne forme dans Coupe d'Europe 2024. Là. Si c'est vrai, équipe turque qui n'a pas fait finale, mais c'est quand même un quart de finaliste avec Arda Güler qui buteur et passeur en la Coupe d'Europe 2024. Là. Pièce monde pas capable de dire que Arda est mauvais en la Coupe d'Europe. Ça. Donc, Arda, saison 2024-2025, pour qu'elle gagne un peu de jeu sous. Et, gagne entraîneur Arda Güler, qui c'est Ancelotti, qui très élogieux vis-à-vis de Arda, il croit que gagne potentialité pour jouer ça, vigne parmi meilleurs milieux de terrain qui gagne sous sécurité. Et, pas gagne Tony Kroos en l'équipe Real Madrid là. Et certainement, Arda Güler, selon la presse et espagnole, Ancelotti Remeli,
et il va gagner beaucoup plus de temps de jeu en dans l'équipe football ça qui c'est l'équipe Real Madrid. Et donc Guillaume est très important m'a metté bémol pour un monde qui gétant fait conclusion hâtive sur un petit monde 18 ans. Une chose qui est très important de la vie. Ou pas capable de faire conclusion carrière un jeune qui gagne 18 ans. Pour dire que joueur ça pas capable de grand joueur, joueur ça pas capable de faire rien, joueur ça et pas capable de river plus loin. Ça ou est capable par vérité à l'avenir. Pas oublier Hendrik Soti dans pays Brésil. T'as gagné plusieurs clubs en Europe qui t'a fait folie pour Hendrik. Et au final, je voulais aller dans Real Madrid. Puis qu'on fait me comprendre que Pires c'est un imbécile. Puis qu'on fait me comprendre tout que Johnny Calafat, qui c'est une personnalité qui est très importante dans cellule de recrutement équipe Real Madrid. Là, monsieur fait plusieurs gros coups dans Real Madrid, les Vinicius, les Rodrigo, et bien c'est monsieur. Puis qu'on fait me comprendre que monsieur sont gros imbécile, le fait que yo TGT dévolu yo sous Hendrik. Est-ce que Hendrik pas prouvé de très bonnes choses qui fait que Real Madrid te prend? Oui, Hendrik te prouvé belle bagaille et depuis Ronaldo pas de bon jeune joueur qui était inscrit et 10 goals dans football dans championnat brésilien depuis Ronaldo bagaille 93 94 Ronaldo comme jeune dans Cruzeiro. Hendrik fell et Palmeiras champion. Hendrik était décisif pour Palmeiras. C'est un football brésilien avec football européen, c'est deux footballs différents. Moi-même personnellement, dans l'émancipation joueur-là, beaucoup de pas l'étape préférable pour moi, Hendrik, aller dans un club côté que la guette plus temps de jeu, des clubs de transition, donc où d'autres mondes sont capables de prendre un club dans le pays Portugal, club dans le pays Hollande, chaque c'est des clubs Monaco par exemple, qui ont joué la main et le la privé et dans l'équipe Real Madrid là, et un grand Jean, un grand pompe, j'en ai aimé dire. Mais Real Madrid avec Ancelotti et Pires, ils ont clé sur ça que joueur là lui-même la priorité en l'équipe là. C'est parce que quand même, ils ont un bagage dans lui et ils ont comment il va l'utiliser. Pendant nous connaissons ces 18 ans que le gagne et l'apprend ban, mais à chaque fois il va le minute il gagne intérêt pour lui répondre sous terrain. Si match là 3-0, faut qu'il connaisse match pas là c'est 0-0. Si match 4-0, de bas d'abord 2 minutes il rentre, faut qu'il connaisse match là lui-même c'est 0-0, goal pas là c'est lui-même qui doit goal cap ba équipe la victoire là pour lui. C'est comme ça que lui. Qu'on est là. Gros bagay qui est très important dans la vie. Si moi gagne un bagay nan menm, faut moi capable faire un chier avec et faut moi montrer la petite dimension que bagay ça bon. Sous ça moi m'a regardé comme fanatique football, nous ouais, c'est pas Neymar. C'est pas Vinicius, c'est pas Ronaldo. Mais attention. Ou pas obligé Ronaldo, ou pas obligé Vinicius, ou pas obligé Neymar, ou pas obligé Ronaldinho pour faire un gros carrière comme Brésilien. Parce que chaque joueur a une caractéristique. Qu'est-ce que moi, ouais, dans Hendrik? Moi, mes qualités, les gagner pour le déplacer. Il sentit cool. Hendrik sentit cool. Il est très puissant. Pendant mon ami dit Hendrik coûte. Mais pas oublier, il est plus gros que Mario. Ah, et Hendrik plus que Mario, ou Mario fait une plus carrière dans l'histoire. Là, c'est pas même joueur, non? On va parler de hauteur, l'homme on dit Hendrik de petite taille, mais le plus que Mario. Mais c'est pas même talent. Maintenant, on est capable de compenser ça par l'autre caractéristique qui est capable de faire que au son gros au football. Par exemple, Ligue 1 a un bon déplacement comme joueur. Les puissants, les rapides, ça très important. Et les ont bon positionnement comme joueur. Quand on est là, on capable de bon positionnement comme joueur et puis ou inefficace. Mais pas oublier, je dis à la football là tellement gagné exigence sous lui,
qui fait que on joue tant que Arda Güler qui gagne 19 ans, on joue tant que Henrik qui gagne 18 ans, fait que ou même comme fanatique football, on obtient 30 40 goals là même. Longtemps pas comme ça. Longtemps pas comme ça. Eh bien, Henrik et Arda, ils ont une période d'apprentissage. Tous les deux gagnent même bagage qui joue dans avantage. Un, yo remè yo. Ça veut dire joueur Real Madrid yo remè yo. Coéquipier yo remè yo. Et deux, Henrik remè Arda, Arda remè Henrik. Ça veut dire la presse espagnole fait connaît que gagne une amitié qui serré entre deux joueurs ça. Ça qui sont très bonnes choses. Et puis l'autre bagage qui capable permettre que joueur ça eux même yo progresser c'est yo même en soi. Côté que yo connaît, yo c'est petit parmi grand yo là pour apprendre. Yo doit gagner plus oreilles que bouche, yo de plus tendé que parler. Parce que nous une équipe qui gagne joueur qui confirmé des joueurs noirs cités pour Ballon d'Or. Joueur classe mondiale, pratiquement, ou gen intérêt pour apprendre. Henrik nan apprentissage là. Arda nan apprentissage là, même le Arda devant Henrik, parce que lycée européen, li habitué avec football européen, li gen fait première saison dans Real Madrid, ça qui différent de Henrik, kap sorti dans pays Brésil, kale et en Europe, dans Real Madrid, c'est première saison, li rentre le gen 18 ans. Donc, à 18 ans, ou pour qu'on finisse bon jeu football. Ça, c'est le premier bagage. Ça fait un monde qui est en fond conclusion sur Henrik, c'est méchant. Ou juste à gérer bagage fanatique ou. À 18 ans, il faut qu'on finisse bon jeu football. Il faut qu'on cuit. Il y a une série de maîtrises que le faut qu'on gagne. Quand il y a aujourd'hui la loi pour le football européen, c'est plus gros côté pour un jeune footballeur apprendre. Parce que football européen, en termes d'organisation, c'est meilleur là. En termes de technicien, en termes de travail, c'est le meilleur côté pour travailler là. Réalité, elle est claire devant nous. C'est le football européen qui est meilleur depuis 4 ans qu'Amérique du Sud. En termes d'apprentissage, on voit qu'il y a 18 ans, on voit qu'il y a 19 ans. Il est en phase d'apprentissage. Pourquoi fin qu'on est comment pour le déplacer? Il apprend. Comment pour le gagner en total maîtrise footballeur? Parce que Henrik, jusqu'à présent, c'est un talent brut que dit. Arda, lui-même, c'est européen, il fait classe, il est différent de Henrik, mais Henrik, c'est un talent brut. Quand il est là, Henrik qui vient en Europe, il a passé sablé sous lui, il a sablé lui, il a poli Henrik, et puis, 19, 20 ans, ou capable de commencer à jouer que ou même ou t'es pensé à. Mon pas qu'à faire pièce conclusion sur Henrik. Parce que, combien joueurs football à 18 ans? Qui t'es en fait pile bagaille? C'est son doué trop compté, oui. Y'a pas pile, non? On a son joué un joueur à 16 ans, 17 ans, 18 ans, qui t'es en fait l'obéi. Son cadeau du ciel. Mais gen pile joueur qui parmi les meilleurs de tous les temps à 18 ans yo te inconnu yo pou kon gros nom. Est-ce que ces joueurs pas ton jouer? Non, chaque joueur pas prend même temps pour développer, pour arriver dans plein pouvoir yo, comme footballeur, pour y avoir toute maîtrise. Kouni là, est-ce que les Real Madrid c'est imbécile, c'est imbécile, ils fait tout investissement ça, sur Henrik Pérez, Johnny Galafat, est-ce que les sont imbéciles, c'est imbécile, mais non. Les intelligent, c'est vrai, c'est pas tout recrutement qui a réussi, ou t'es capable de ça devant l'OL belle et où trompeuse ou lié à l'avenir, ça qu'on arrivait, il y a des investissements trompeurs, ça qu'on arrivait avec Henrik trompé moun, mais qu'on y est là, faut qu'on y baille une institution dans la dimension Real Madrid bénéfice du doute.
c'est Real Madrid. Et l'autre cas de figure qui entre en ligne de compte, Henrique t'a montré de très bonnes choses dans le football brésilien qui fait que Real Madrid t'a fait folie bouli. Oui, football brésilien et football européen, c'est deux footballs différents. Mais Kouni là, moi obligé tant de jouer là parce que à 18 ans, ou a quitté Amérique ou pour aller en Europe, ou non phase apprentissage. Là, c'est Ancelotti qui a montré nous. Certainement, ou en Europe, ou pour aller jouer notre gros entraîneur qui va l'entraîner nous. Là, c'est Real Madrid. Beaucoup plus de maîtrise, beaucoup plus professionnel. Club lancé, ça le représente, ya, meilleur club européen, ou à jouer avec de meilleurs joueurs, cap fort meilleur. L'Europe joue côté moun fort. Depuis ou appliqué, ou intelligent, ou tendé, certainement, potentialité a grandi, ou a vin fort. Et dans l'âge Hendrik, c'est 18 ans. Pas gagné en pile joueur à 18 ans qui était explosé dans le football mondial là, Henrik dans la phase d'apprentissage. Ou pas capable de faire pièce conclusion hâtive pour dire que joueur ça pas un grand joueur. Oui, ça n'a pas gardé, c'est pas Ronaldo. Ça n'a pas gardé, c'est pas Neymar, c'est pas Ronaldinho. Mais ou pas obligé, joueur n'a pas obligé Ronaldinho, non, vous le faites une carrière. La font une carrière avec caractéristiques qui propre à lui, les gars pour développer. Caractéristique comme joueur football. Et là, il est en période de développement. Il est en période de développement. Arda Güler, par exemple, qui s'est talent ça, que Real Madrid prend, c'est parce que Real Madrid est un talent. Tu as une bataille Real Madrid Barcelone. Barcelone qui développe, c'est parce que Barcelone est un talent dans lui. Ancelotti qui est très élogieux vis-à-vis de lui. C'est parce que vous avez talent dans lui. Ancelotti qui croit que monsieur a beaucoup plus de minutes, c'est parce que vous avez talent dans lui, parce que vous avez un classe supérieure que le franchi qui balle mérite pour gagner beaucoup plus de minutes saison prochaine. N'a parlé de Arda Güler. Eh bien, ou pas capable de faire conclusion sur un jeune joueur de 18 ans et 19 ans pour dire que joueur ça pas rien parce que pas grand pile joueur dans l'histoire qui était fait l'Aubert à l'Aïssa. Et deux, le on est l'Aïssa ou dans phase apprentissage, Henrik et Arda Güler, il n'y a pas à prendre.